C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer dans cette belle salle des Salons du Four. Au vu du programme de cette soirée, de cette commémoration, j'en déduis que vous êtes des Suisses fervents. Et à ce titre, je vous remercie de votre présence. Replongeons-nous dans le passé, il y a 175 ans, une époque où le Valais entre à reculons dans le nouvel ordre confédéral. Le 20 août 1848, les citoyens valaisans votent pour la première fois sur une constitution fédérale. Il s'agit d'une constitution progressiste qui établit un équilibre subtil, on l'a vu, entre le nouveau pouvoir central et les cantons, et qui entend faire de la Suisse une nation forte autour de nouvelles institutions démocratiques. Le résultat, à première vue, est sans appel. C'est non à presque 2-1. Le journal du Valais est atterré. Seul journal du canton, il rencontre dans son édition, écoutez bien, du samedi 26 août, de la votation qui a eu lieu le dimanche précédent. Donc il a fallu une semaine pour connaître le résultat. La surprise est grande, car la population des districts du Valais devrait normalement faire pencher la balance pour une acceptation de la Constitution, puisque les districts romands plutôt favorables sont majoritaires, alors que les districts alémaniques sont minoritaires. Mais la participation au scrutin va faire la différence. Les districts alémaniques participent davantage et sont massivement contre, 90% de non. Le centre, que vous voyez au milieu du graphique, le centre est plutôt pour, mais le district de Sierre fait pencher la balance en faveur du non. Et le Bas-Valais est acquis au changement avec 85% de oui, mais une faible participation. Ces différences s'expliquent par les affrontements entre conservateurs et progressistes, par le traumatisme de la guerre du Sonderbund et ses suites, et surtout par des visions du monde qui sont différentes entre le Haut-Valais et le Bas-Valais en particulier. Essayons alors de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et d'aborder dans une deuxième partie comment le Valais s'est adapté à cette nouvelle Suisse qui se construit pour devenir la nôtre. Au départ, il y a donc le pacte fédéral de 1815. La constitution de 1848 remplace ce pacte. Elle est l'aboutissement d'un long processus marqué par des conflits et des obstacles que je vais résumer, puisqu'on l'a déjà entendu par M. Lescaze, en mettant en avant ce qui s'est passé dans notre canton. Je veux parler du Valais. On vit donc alors sous le pacte de 1815. Celui-ci est adopté sous la pression des puissances vainqueurs de Napoléon. La Sainte Alliance veut une Suisse faible, neutre, un État tampon au centre de l'Europe. L'essentiel du pouvoir appartient aux 22 cantons qui composent la Confédération. Le pays est dirigé par une diète où chaque canton envoie 2 députés. Ceux-ci reçoivent les instructions de leur gouvernement, des instructions qui les lient quand ils ne prennent pas des décisions ad referendum. Il n'y a pas de gouvernement central, mais un fororte, fonction qui est exercée à tour de rôle par les cantons de Berne, Zurich et Lucerne. Ainsi, chaque 2 ans, la capitale de la Suisse change et la chancellerie fédérale, avec son personnel, modeste au demeurant, et ses archives déménagent. Même si le Valais n'a pas encore de journal, on discute beaucoup de politique dans les chaumières ou dans les mayas. Dans un pays où le commerce et l'industrie commencent à se développer, les entraves régionales aux échanges constituent des freins importants. Les monnaies, les poids et mesures sont du ressort des cantons.
il existe autant de systèmes douaniers, de postes que de cantons. Les transports sont entravés par une multitude de droits de péage, de pontonnage, de soust, qui apportent des revenus aux collectivités, mais pénalisent les échanges. En 1832-1833, on retrouve notre ami Pellegrino Rossi, parce que la révision du pacte à ce moment-là est une bonne répétition générale pour 1848. Elle nous aide surtout à mieux comprendre la position du Valais dans le débat sur la Constitution. Donc au début des années 1830, la Diète fédérale vote en faveur d'une révision du pacte. Pellegrino Rossi, un Italien, né à Carrare, naturalisé genevois, est le rapporteur d'une commission chargée de présenter un projet. Un projet qui figure par certains points la future Constitution de 1848. La démarche se heurte à diverses oppositions, dont celle des régions de montagne et certains cantons catholiques. Le refus de Lucerne, pressenti pour assurer le rôle de capitale de la Suisse, porte un rude coup au projet. En Valais, l'accueil est mitigé, ou plutôt différencié, car cette révision du pacte aurait de profondes répercussions sur la politique intérieure cantonale, où, à l'occasion de cette révision, apparaissent différentes tendances politiques. À l'époque, on les caricature déjà selon la manière de déboucher une bouteille de vin. D'un côté, les libéraux du Bas-Valais militent chaudement en faveur de la révision. Le clergé, le Haut-Valais, les aristocrates et des communes rurales y sont farouchement opposés. Un des principaux points d'accrochage réside dans la liberté d'établissement accordée aux Suisses sur tout le territoire de la Confédération. L'idée provoque une véritable levée de boucliers. Le Conseil d'État est intransigeant. La liberté d'établissement que consacre le projet ne saurait être consentie par le Valais et il ne peut être forcé à adhérer à une pareille stipulation. La commission qui est saisie du projet abonde dans ce sens. Notre loi sur la réception des habitants a failli ne pas obtenir la sanction de la majorité des conseils de disin par rapport à la simple tolérance d'un valaisan d'une commune à l'autre. Elle a mécontenté un grand nombre de localités. Qu'en serait-ce si on allait proposer de l'étendre à tous les Suisses? La plupart des communes s'y opposeront fortement, crainte de voir enlever bientôt à leurs ressortissants par des étrangers plus adroits leurs uniques ressources journalières de commerce et d'industrie. Nous ne devons pas oublier les inconvénients que présenterait aussi la liberté de domicile en favorisant les mariages entre personnes de différentes religions, en laissant arriver en Valais beaucoup de protestants. Or, en vertu de la surreprésentation des anciens disins du Haut-Valais, minoritaires dans le pays, mais majoritaires à la Diète, opposés à tout changement, la Diète valaisanne refuse purement et simplement d'entrer en matière sur la révision. Les disins occidentaux sont remontés. On parle déjà de faire une Diète séparée à Martigny pour y discuter du nouveau pacte fédéral. Et les événements s'enchaînent. Le 11 avril 1833, des partisans de la révision, venus de Monté, drapeau fédéral en tête, signe de l'anarchie, dit Anne-Joseph de Riva, marchent sur Martigny pour fraterniser avec leurs amis de la ville. Ils sont rossés par des paysans descendus des hauteurs de Martigny et de la vallée du Trien, mobilisés par le clergé et les réactionnaires. Les conséquences de cette bastonnade de Martigny sont multiples et déclenchent une hostilité inexpiable entre traditionalistes et progressistes. Cela se marque entre autres, premièrement, par une guerre de pamphlets autour de la révision fédérale avec le fameux démophile, suivi de la réponse au prétendu démophile et puis encore du dialogue entre l'auteur du démophile et Jacques, son colporteur.
En résumé, d'un côté, c'est Dieu et patrie, et de l'autre, liberté et progrès. Deuxièmement, c'est dans ce contexte que les quatre disains occidentaux, de comté à monté, introduisent une demande de révision de la constitution cantonale dans le sens d'une représentation à la Diète proportionnelle à la population. En définitive, le Valais officiel se rapproche de la Ligue de Sarlène, qui rassemble les cantons opposés à tout changement dans l'ordre établi par le pape. Dans les années 1840, les tensions continuent de monter entre les cantons qui se régénèrent, démocratie et progrès, et ceux qui s'accrochent au pacte de 1815. Avec l'affaire des couvents d'Argovie, soit la suppression de couvents catholiques par le gouvernement libéral d'Arrault, les divisions religieuses sont renforcées. Ces clivages se retrouvent en Valais, où les milieux libéraux se heurtent à l'inertie des conservateurs et vont se radicaliser, notamment avec la Jeune Suisse, dont on voit ici le drapeau. En 1839, après une guerre civile, le Valais se dote d'une constitution libérale radicale. La réaction ne tarde pas. En 1844, les forces radicales sont défaites au Trient et les leaders sont exilés, leurs biens confisqués. En décembre 1845, le Valais adhère au Sonderbund, l'alliance des cantons catholiques, qui, forte de l'appui des puissances étrangères de la Sainte Alliance, l'Autriche en particulier, veulent défendre à tout prix, même par les armes, leur autonomie garante de leur foi. On connaît la suite. Le 7 août 1847, une majorité de la Diète fédérale décide la dissolution du Sonderbund. Comme les membres de cette alliance n'obtempèrent pas, elle mobilise les troupes et charge le général Guillaume-Henri Dufour de faire rentrer les récalcitrants dans le rang. C'est la guerre civile du Sonderbund. Après une campagne éclair, qui fait néanmoins une centaine de morts et près de 500 blessés, les cantons catholiques capitulent en chaîne. Le Valais fait sa reddition le 29 novembre 1847 et le canton est occupé par les troupes fédérales sous la direction de Rié-Constant de Genève. Les exilés de 1844 reviennent en Valais et prennent leur revanche avec une assemblée convoquée sur la Planta qui nomme un gouvernement provisoire, met les frais de guerre à la charge des institutions et corporations religieuses qui ont attisé le feu, et décide qu'une constituante sera élue pour écrire une nouvelle constitution. C'est celle du 10 janvier 1848, élaborée, et là je pense que c'est un record cette fois, en une dizaine de jours, mais sur la base de la constitution libérale de 1839. Sur le plan fédéral, les choses ne traînent pas non plus. En quelques mois, on l'a vu, du 16 février au 12 septembre 1848, on passe d'une confédération d'États à un État fédéral. Par chance, pour les partisans du changement, le ciel des monarchies européennes s'assombrit. 1848, c'est le temps des révolutions contre les monarchies autoritaires des pays qui entourent la Suisse et qui menaçaient d'intervenir, un peu à la suite du tableau de la Croix de 1830. L'Angleterre, devenue libérale, temporise. En France, la Révolution de février met en place la Deuxième République. C'est le printemps des peuples qui touche, dès le mois de mars, l'Autriche et la Hongrie avec les insurrections de Vienne, la Prusse et l'Allemagne avec les barricades à Berlin, l'Italie avec la montée du mouvement patriotique. De ce fait, la commission nommée par la Diète fédérale pour élaborer un projet de constitution à l'écoute des Franches. Ce sont les hommes politiques, vous connaissez maintenant leur tête, issus pour la plupart des gouvernements cantonaux. Dans les discussions se distinguent des hommes comme Henri de Ruet, vaudois rapporteur, Ulrich Ochsenbein de Berne, Jonas Führer de Zurich, Joseph Munzinger de Soleure, Wilhelm Matthias Neff de Saint-Gall. Ce seront, comme on l'a vu, les futurs premiers conseillers fédéraux. Le but principal du projet est de renforcer la Suisse.
Il y arrive par la création d'un pouvoir central qui ménage cependant l'équilibre confédéral. Cet équilibre est atteint par la mise en place d'une démocratie représentative avec l'institution de deux chambres sur le modèle américain, le Conseil national avec une représentation proportionnelle à la population de chaque canton et le Conseil des États dans lequel les cantons envoient deux représentants chacun. Un pouvoir exécutif plus fort est créé avec un Conseil fédéral permanent de 7 membres. Le pouvoir judiciaire est exercé par le tribunal fédéral aux compétences encore restreintes. La nouvelle répartition des tâches avantage la Confédération par rapport aux 22 cantons. Mais surtout, de grands principes sont proclamés qui vont avoir des conséquences importantes à long terme. Tout d'abord, l'égalité entre les Suisses. La liberté de religion qui est garantie, la liberté de la presse est garantie, etc. Le projet, légèrement amendé par la Diète, est adopté le 27 juin 1848. Il est soumis à la sanction des cantons. Ceux-ci, peut-être une nuance importante, décident de la forme de votation, puisque ce sont encore des cantons souverains. En Valais, tous les citoyens ayant le droit de vote sont appelés aux urnes. Nous avons vu les résultats tout à l'heure. Au niveau suisse, une diète, ce sera la dernière, est convoquée pour décider de la suite à donner au vote des cantons sur la nouvelle constitution. Nous avions vu aussi le résultat en Suisse. Une séance extraordinaire du Grand Conseil valaisan est convoquée le 2 septembre 1848 pour décider des instructions à donner aux députés à la Diète fédérale. Voici ces instructions. 1. La députation exposera que sur les 6922 votes émis en Valais sur la Constitution fédérale, 4171 l'ont rejeté et 2551 l'ont accepté. La députation déclarera que le Valais a rejeté la Constitution fédérale. 2. Si une majorité de 12 États, représentant la majorité du peuple suisse, déclare la Constitution acceptée, la députation y adhérera au nom du Valais. 3. Dans ce cas, la députation prendra part, selon ses lumières, aux discussions relatives aux dispositions nécessaires à sa mise en vigueur. Elle référera toutefois dans les cas graves. Effectivement, le projet passe largement la rampe et le 12 septembre 1848, la Diète prend acte avec 15 cantons et demi et une grande majorité populaire. La nouvelle constitution est validée et elle devient la charte fondamentale de la Suisse. Venons-en maintenant à la question des conséquences pour le Valais, ou comment le Valais s'est adapté ou non à cette nouvelle Suisse. Heureusement, comme on l'a dit aussi, tout ne change pas en un clin d'œil ni en un jour. Pour les institutions de service public, les avantages sont tels que cela ne pose pas trop de problèmes. Ainsi, la Poste devient fédérale. Elle reprend les infrastructures existantes. L'école polytechnique est lancée. De même, l'introduction d'une monnaie fédérale est décidée. Il faut imaginer ce que représente concrètement l'attribution du monopole de la monnaie à la Confédération. Après de longs débats, plutôt que le florin, on choisit le franc, défini comme monnaie d'argent et divisé en 100 centimes. À partir d'août 1851, on avait une gravure ici, les cantons retirent plus de 66 millions de pièces, se répartissant en 319 variétés. Les points et mesures passent aussi sous l'autorité de la Confédération, qui légifère en la matière en 1851. Mais il faut attendre l'adoption du système métrique en 1877 pour unifier les points et mesures dans l'ensemble de la Suisse. En ce qui concerne les douanes, la Confédération reçoit la compétence de conclure des traités douaniers et commerciaux. Les douanes sont reportées aux frontières du pays et les cantons touchent une part des recettes encaissées. Pour mémoire,
En 1844, il y avait encore plus de 550 postes de douane gérés par des cantons. Les conséquences sociétales pour le Valais sont plus subtiles, mais aussi plus profondes. En proclamant l'égalité des Suisses, la nouvelle constitution fédérale attaque de front les barrières qui restreignent les droits des non-valaisans. Les restrictions et les inégalités tombent les unes après les autres, non sans donner lieu à de vives discussions. Arrêtons-nous maintenant sur deux droits ou libertés qui ont fait débat et où on voit clairement l'influence de la Confédération sur la société valaisanne. La liberté d'établissement, couplée avec la liberté de commerce et d'industrie, a de fortes répercussions en Valais, où ces droits ne s'appliquent, depuis 1830, qu'aux seuls valaisans bourgeois d'une commune. Or, nous l'avons vu, c'est déjà cet élément, à côté des aspects religieux, qui avait suscité le rejet valaisan du pacte Rossi en 1833. Des communes refusent de mettre en pratique le principe. Ainsi, en 1848, la ville de Sion s'oppose à l'installation d'un boucher de Martigny, Étienne Rouillet. Le gouvernement provisoire est catégorique. Le bénéfice de la liberté d'établissement est dès ce moment posé et chaque citoyen est en droit d'en jouir. Cependant, les autorités traînent les pieds pour adopter la législation d'application. La loi sur la liberté d'établissement n'est présentée au Grand Conseil qu'en 1855 seulement. Et on ergote beaucoup pour savoir si les communes ont le droit de faire dépendre le droit d'établissement des moyens de subsistance des requérants. Finalement, la liberté est accordée avec une nuance significative, dans le texte français en tout cas. Tout Valaisan peut résider et s'établir librement dans l'une des communes du canton de son choix, alors que la formule pour les Suisses devient « Aucun Suisse d'un autre canton appartenant à l'une des confessions chrétiennes ne peut être empêché de s'établir dans le canton ». Pour les libertés de commerce et d'industrie, la Constitution fédérale est suffisamment explicite pour couper court au débat, mais le diable se cache parfois dans les détails. Ici, ce sont les exceptions religieuses, puisque la liberté n'est garantie qu'aux membres des confessions chrétiennes. Et les choses se compliquent quand, en vertu des traités internationaux, les ressortissants de certains pays bénéficient des mêmes droits que les Suisses. Un exemple. Lorsqu'un Israélite français demande à s'établir à Sion, la ville s'oppose à l'autorisation donnée par le Conseil d'État. Le sujet passionne. Saisie du dossier, la commission du Grand Conseil s'interroge. Quel rapport existe-t-il entre le culte d'un individu professe et la faculté de vendre des marchandises? Il serait difficile d'en découvrir une ombre, à moins que l'on ne prétende peut-être que les Israélites sont plus juifs que les chrétiens. C'est effectivement ce que pense un député d'Hérin qui déclare: à quel danger ne serait pas opposé le peuple de nos vallées si ces habiles industriels avaient la liberté d'y établir un commerce ou une industrie, comme ils le font en plusieurs pays? L'argent s'en irait, et à nous il resterait les yeux pour pleurer et l'indigence pour nous consoler. Finalement, c'est la France qui résout le problème. Pour elle, les Israélites français peuvent être traités différemment de ses autres concitoyens. Un autre élément de l'intégration concerne le droit de vote des non-valaisans. Dans son article 42, la nouvelle constitution est claire. En vertu de cette disposition, en 1852, le Valais accorde aux confédérés domiciliés le droit de vote en matière fédérale et cantonale. Dans la pratique, peu de personnes profitent, car les autorités opèrent une subtile distinction entre le domicile et le séjour. Et le domicile implique un établissement, soit ménage, le paiement des charges publiques et le service militaire. Mais là aussi, la pression fédérale est forte, et le gouvernement doit répondre favorablement en 1872, ça fait quand même 20 ans plus tard,
à une pétition des ouvriers suisses demeurant à Sion en leur accordant le droit de vote après un domicile de 2 ans. On arrive maintenant à un autre sujet délicat qui est l'intégration des Valaisans de deuxième classe, qui est un deuxième exemple intéressant pour ces Valaisans qui ont un statut d'infériorité. Et c'est finalement l'opération la plus difficile à résoudre. Toujours en rapport avec l'égalité des droits, le Valais, avec ses différentes classes d'habitants, les bourgeois, les habitants perpétuels, les tolérés, les étrangers, les apatrides, est en porte-à-faux avec le principe posé par la Constitution. Celle-ci s'invite dans le débat d'une manière spectaculaire. En 1850, en application de l'article 56 de la Constitution, les Chambres fédérales adoptent une loi qui vise à supprimer les apatrides, ces Heimatlos qui, après un séjour de plusieurs générations en Suisse, n'ont plus de lien avec leur patrie d'origine et se retrouvent donc sans papier. La solution, les intégrer dans les cantons et communes où ils résident. Le Valais croit satisfaire à cette obligation en leur accordant certains droits, à l'égal de ce qu'il fait pour les habitants perpétuels, qui restent néanmoins des citoyens de seconde zone. Surprise, en 1867, la Confédération invite les cantons retardataires à mettre en exécution la loi de 1850. Au bord du Rhône, on tombe des nues. On se voit déjà remettre en question l'existence des bourgeoisies, les droits politiques, l'autonomie des communes, bref, le fonctionnement de la société valaisanne. C'est qu'il n'y a pas que les Heimatlos qui sont en marge. Les bourgeoisies devront intégrer avec tous les droits plus de 5000 personnes. Il s'agit des 140 Heimatlos, mais aussi de 1400 enfants naturels, incorporés sans paiement et sans restriction dans la bourgeoisie de leurs parents, parce que les enfants naturels n'avaient pas les droits politiques, et aussi 3400 habitants perpétuels. Des bourgeoisies essayent de trouver encore un biais. Elles concluent des conventions avec de petites communes aux Valaisannes, leur refilant contre paiement leurs indésirables, sans obliger la commune d'accueil à leur accorder les droits usuels. En janvier 1872, le scandale éclate. Les instances fédérales découvrent que Martisberg, commune de 14 ménages, s'est engagée à intégrer une centaine de familles, sans devoir leur donner ni les actes d'origine, ni leur porter secours en cas de besoin. Le Conseil fédéral arrête alors que les habitants perpétuels ne peuvent pas être intégrés sans leur consentement dans une autre bourgeoisie que celle de la commune à laquelle ils appartiennent. Voilà pour les aspects sociaux de l'intégration à la Suisse par la Constitution de 1848. Il resterait beaucoup de choses à dire sur les autres aspects moins problématiques de cette intégration. En effet, tous ces éléments ont nourri les tensions Valais-Confédération et ils ne doivent pas pourtant occulter d'autres aspects positifs et mieux vécus de l'intégration du Valais dans la Suisse. Dans les difficultés, le Valais reçoit des aides importantes de la Confédération. La plus spectaculaire, au début du ménage commun, est la participation de l'État fédéral aux travaux de la première correction du Rhône. Rappelez-vous, le 1er et 3 septembre 1860, les inondations catastrophiques transforment la plaine du Rhône en lac, de Brigue à Eviola. Les routes et les ponts sont coupés, les cultures détruites, les villages inondés. En désespoir de cause, le Conseil d'État appelle le Conseil fédéral à la rescousse pour lancer un vaste programme d'endiguement du fleuve. La Confédération suit, encadre les travaux et les paye à hauteur du tiers des dépenses effectuées. Les travaux de la première correction du Rhône durent jusqu'en 1894 et permettent l'assainissement de 7000 hectares de terres agricoles. En revanche, il y a des bémols sur les chemins de fer, par exemple, dont on voit ici le projet vers 1855, qui nous sert aussi pour le Rhône. Le gouvernement radical valaisan a de la peine à faire valoir son point de vue.
Contrairement au Conseil fédéral, qui imagine un réseau ferroviaire purement suisse, il estime que le Valais perdrait sa situation de zone périphérique, mal desservie, pour autant que l'on inclut le réseau suisse dans l'ensemble des voies de communication européennes. Mais c'est un autre sujet, une autre histoire. Pour terminer, autour de la Constitution de 1848, l'histoire des relations du Valais à la Suisse est marquée par ses premiers pas qui, nous l'avons vu, se sont faits le plus souvent à reculons. Il était donc important de rappeler ses débuts, car ils s'inscrivent dans ce passionnant dialogue, tantôt d'amour, tantôt de méfiance, quand il n'est pas de sourd, entre le Valais et la Suisse. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne peut imaginer ni le Valais sans son appartenance à la Suisse, ni la Suisse sans le Valais. Car ce serait laisser sur le bas-côté de l'histoire des pans entiers de notre vie commune, partagée pendant 175 ans, sous les auspices des institutions mises en place en 1848. Je vous remercie et reste à votre disposition.